Allez, RC Garage 68 pour un petit tour avec la GTB, le beeper indispensable si vous tirez fort sur les engins. 6F35C, moteur Orion 1950 kV MR8L, donc déjà un moteur un peu plus ancien mais qui marche bien, et le Mamba Monster X, le petit bruiteur SSPT, les pneus tout neufs qu'on va tester qui viennent de chez Team C ou Abismar, je sais pas ce que ça vaut. Avant j'avais les Serpent, alors on va tester ça. Hein. On a mis le GPS au cul de la machine aussi. Là. Pour voir ce qu'on a en Vmax. On va faire des petits tours tranquilles pour chauffer les gommes. Et après, on va se faire une ou deux lignes droites vite fait. Donc pas à l'américaine, pas sur un kilomètre, je sais pas où. Hein. On va prendre la ligne droite qu'on a là sur le parking. Non, ça devrait suffire parce qu'on n'a pas non plus un pignon. Pour lequel il faut que je pousse la machine pour qu'elle parte. Le but c'est d'avoir une Vmax avec une caisse qu'on peut utiliser en toutes circonstances. Alors on va s'éloigner parce que avec le bruiteur ça va donner. C'est autre chose que le dehors motrice. Ouais, 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 ouais. Ouais, virage serré, ça va être chaud avec le châssis long. Ah, ça commence à accrocher, on a enlevé la petite couche de produit qu'il y avait dessus. Alors c'est pas évident que cette carrosserie de trouver les bons pneus, il y a bien sûr les pneus JRP et mais qui sont trop petits, c'est pour ça que je peux commettre les serpents, tout cela, en point de taille, pour avoir un bon look encore, sinon ça a l'air de rien du tout avec des petits trous rallye conventionnels. Ou les trajectoires qui me fait mon X. Moi ça patine, hein, c'est pas le top. Oh petit Dieu. En drift moi. Bon allez, on va faire une petite ligne droite, attention. C'est chaud. Ouais, c'est quand tu tires fort dessus. Hey, j'ai commencé à freiner au panneau. Ouais, 430, j'ai pas la place. Ouais, il va faire un bon 90. Attends, on va arriver en diagonale peut-être. Oh putain. Il n'y a pas la place. Pour vous dire que ça sert à rien d'aller vite parce qu'on n'a même pas la place là d'atteindre les 90 km/h sur ce parking qui est pourtant largement assez grand pour rouler. Bon, roule. Ah ouais. Oh là là là, t'as mangé les pneus, ça part dans tous les sens.
Ah, on a plus le bout de la ligne droite. C'est maintenant que tu as une V-Max, on a national en coursant à Jean-Landry. Il va aimer, il va aimer. Il va adorer. Wow, wow, wow. Ah, je vais peut-être essayer là-bas, attends. Attention, je vais essayer là. Voilà, 91 km/h, je crois que c'est largement suffisant. Vous avez la place qu'il faut. Bon, c'est vrai que ça donne envie d'essayer d'aller nous un petit coup, de faire une machine qui va à Vmax, quoi. Parce que j'ai pas validé mes 172 sur l'autoroute. Hein. 172 avec le truggy là, avec les roues 1/5. Là, les pneus, c'est de la merde là. T'as vu ça, l'accélération? Ouais, moi je glisse là, dans tous les sens, y'a rien à faire. Hein. Salut! Alors soit le sol n'est pas assez chaud pour ces pneus, soit c'est vraiment des pneus de merde. Moi je pars en cacahuète, c'est ça. Tu peux rien, j'ai un poids lourd. Oh là là, comme je patine. Hein? Bien les batteries, hein. Ah ouais. Bon, allez, regarde, ce petit départ arrêté là. Je reste à gauche du train, moi à droite. Vas-y, 3, 2, 1, go! Allez, je peux. ça glisse trop avec tes pneus, c'est de la merde.
Ouais, t'as les pneus, ça fait un moment que t'es là aussi, hein. Ouais. C'est bien les pneus, là. Ouais, c'est les GRT, hein. Ouais, ce G-là, c'est définitivement de la merde. Va quand même que je mette les pneus plus petits. Ha. Tu vois la différence que ça fait les pneus, hein? J'ai des pneus de merde, je peux rien faire, hein. J'arrive pas à te... Ah, j'ai entendu gueuler ton moteur. C'est vrai que j'ai pilé tout de suite. Oh oh oh. C'est pour ça que j'arrive pas à atteindre la VMAX sur le parking, parce que les pneus patinent tellement que j'avance pas. La peinture à la bombe que je suis bricoté pour. Hein? Ah. Donc vous avez vu, ça sert à rien d'avoir un méga puissance avec des pneus de merde, j'arrive pas à passer la puissance même en VMAX. Il m'a fallu tout le parking, et à la moindre accélération je pars en cacahuète du cul, on peut le dire. Et donc il faudra refaire ça avec des vrais pneus. Donc définitivement les pneus Abisma Team C, c'est de la merde, ne les achetez pas, ou alors seulement juste pour une petite trottinette en 3S pour rouler tranquille. C'est sûr, si je bloque les gaz à 50% ça devrait suffire, mais après on n'avance plus quoi. Donc je vous dis à bientôt et pour la suite, ciao.